les femmes travailleuses. La journée internationale des droits de la femme a été célébrée avec une particularité dans les territoires de Louboudi. Nous sommes à Tenké. Cette cité, située à plus ou moins 5 km de la commune rurale de Fungourmé, a reçu une fille du terroir, Véronique Kifoua, pour la célébration de la date du 8 mars. La patronne de la fondation portant son nom a été accueillie comme une reine par les femmes, ces filles de cette contrée. Véronique Kifoua et sa délégation ont décidé de faire une marche de 2 km pour compatir avec les victimes de l'Est de la République démocratique du Congo en ces mois dédiés aux femmes. L'endroit du rendez-vous, les femmes de la cité Tenké ont manifesté une joie profonde à l'égard de cette femme dynamique. Prenant la parole pour la circonstance, Véronique Kifoua a pour sa part conscientisé les femmes à envoyer leurs filles au banc scolaire pour un avenir radieux. Un partage d'idées a été au centre de tout et la patronne de la fondation Véronique Kifoua n'a pas tardé à montrer ses couleurs politiques. Au sortir du cadre, l'heureuse du jour n'a pas tari d'éloge. Un thème qui nous a été donné, c'est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. C'est-à-dire quoi? Donc ici on nous demande de demander à nos filles
d'avoir accès à l'Internet. Il faut que les femmes commencent à se défendre via l'Internet. La technologie a déjà évolué. La femme ne doit pas rester seulement là en train de regarder. La femme doit se défendre. En se défendant, il faut qu'elle sache que non, je ne dois pas rester à la maison. Il faut que je puisse me défendre via Internet. Voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai commémoré avec toutes ces dames qui sont là avec moi aujourd'hui. Et je suis très, très ravie. Les femmes qui sont en train de se faire violenter à l'est de notre pays. Des femmes qui souffrent. Des femmes qui ne savent même pas comment se défendre. Alors, cette journée, pour moi, j'aimerais que ce soit une journée où on défend. Pensez à toutes ces femmes-là qui sont à l'est de notre pays. Ces femmes-là qui n'ont même pas de soutien. Ces femmes-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense que c'est une journée où nous devons penser aussi à ces femmes-là, hein, qui sont toutes seules. Elles n'ont personne pour les défendre. Elles sont toutes seules. Alors, pour moi, j'aimerais que cette journée soit une journée où nous puissions aussi penser à toutes ces femmes-là. Pour les participantes, cette rencontre était un moment tant attendu dans ces coins de la province du Lualaba. Amupachie fura, amupachie mapendo, na shie tutamupenda kupitia bila tafanya.